C'est la coupe d'un char d'assaut Sherman, du type M4. Qu'on peut voir ici le moteur. Il y a une grille d'accès. Et puis, quand le moteur est retiré, on peut accéder par le char d'assaut. La transmission se faisait par en avant. C'était assez une machine impressionnante malgré qu'il était petit. Il était bien conçu, quand même. Où est-ce qu'il était le moteur? Il est arrivé quelque chose en 1978. Oui, effectivement, on se faisait écœurer, moi, puis des gars de Brompton, puis quelques jeunes de Sherbrooke, par des plus vieux. Des gens de cadets. Tu comptais ça à mon père. Il était un policier militaire, on le sait, Canadian Provo Corps. Eh bien là, sur l'heure du midi, il est allé se cacher dans le bomb à Sherbrooke. Les gars nous ont écœurés. Puis mon père a sorti de là. Il les a bien avertis de ne plus recommencer. Je suis fier d'avoir eu un père militaire qui était allé servir pour nous défendre, libérer, comme les autres, l'emprise du nazisme.